Je m'appelle Linda Bujoli et je suis photographe plasticienne. Dans le processus créatif, c'est comme tirer le fil d'une pelote de laine. Tu as un point de départ. Ça peut être un mot, une intention, un thème, un travail en résonance par rapport à une musique. Il y a à ce moment-là un territoire, une perspective qui s'ouvre. Et en général, dans le processus créatif, on ne connaît pas encore la fin. Mon dernier projet se nomme L'un demi, c'est une exposition sur le territoire intime de la féminité, une œuvre plurisensorielle qui sollicite la vue, l'ouïe et le toucher. Je ne me suis pas arrêtée comme médium de la photographie, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin et de me confronter à une nouvelle discipline, d'extracter finalement cette image en 2D et de la rendre palpable. Après les 10 années de mannequinat, j'ai eu envie à mon tour d'exprimer des choses et de manière un peu spontanée, j'ai commencé à réaliser mes premières photographies et j'ai opté pour l'expérimentation. Donc je m'enfermais en studio avec une équipe et on expérimentait, on ne savait pas trop comment les lumières fonctionnaient et on essayait et à force de creuser, eh bien, il y a des choses que j'ai retenues qui me plaisaient plus. Et ça m'a permis de trouver peut-être plus facilement mon identité visuelle, parce que c'était très important de trouver mon langage photographique ou mon écriture photographique. Dans la pratique de la photographie, tu as besoin de confort. Donc, mon uniforme s'apparente aux uniformes des danseuses. J'aime les belles textures, les vêtements bien coupés, les formes assez intemporelles que je peux mixer au fil des années. Mais la sophistication, elle n'est pas que dans le style, c'est le rapport à la vie. Mais c'est pas quelque chose sur lequel tu travailles ou tu le deviens. Après, c'est ta sensibilité, ta perception. C'est un rapport assez poétique avec les choses qui t'entourent.